Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Europa Universalis 4 pour la suite du let's play avec la Russie. Donc là, vous voyez qu'on se fait péter les dents là, surtout au sud, à cause des troupes ottomanes qui sont extrêmement puissantes et les particularistes ici. On casse les pieds. Et moi ça, il y a Malaka qui est là, mais putain, mais qu'est-ce que vous me cassez les pieds les gars? Pour le volume power, je vais prendre très cher. Faut que je massacre les troupes qui sont ici, les petites armées là, parce que bah, elles sont pas hyper nombreuses. Enfin, pas encore. Si j'ai tué maintenant, bah, ça me fera un petit peu bah, de. C'est colossal, mais vous cassez les burnes! Massacrez-moi tout ça vite, vite, vite. Faut que vous preniez ça, voilà. Faut massacrer les petites troupes comme ça le plus vite possible de manière à pouvoir user l'adversaire. On lui massacre les petits stacks. Il y a 7000 qui sont stackés ici, c'est parfait. On va faire un peu de. Alors les Mongols, ils ont pas compris le principe de vous la fermer, vous ne cassez pas les pieds. Teuton par contre. Tu pourrais filer un petit coup de main. Il va se regarder. Il va emmerder. Faut que je ramène tout ici. Faut pas que je laisse plus qu'une seule armée derrière. On va le massacrer ici avec 9000 hommes, ça va être parfait, on pourra se marrer. Plus je pour les petits stacks, mieux c'est pour moi. Hein. 7 mars, eux. Regarde-moi ça, je me fais pourrir le cul! Qu'est-ce que c'est que le 29? Putain, mais regardez-moi ça! Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez trouvé autant de discipline? Quoi c'est qu'il y a autant de discipline, ça va essayer? Déjà, les traditions. De toute façon, il faut que j'augmente ma discipline. Hein. Il faut que je trouve un truc pour augmenter la discipline. Ouais, comme ça, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. Enfin, je ferai ce conseiller, c'est tout. Y'a pas le choix. De toute façon, enfin, ça, on va créer quelques hussards de plus ici. Hein. J'avais besoin des hussards de toute façon. J'ai besoin un peu de cavalerie. Regardez-moi ces stacks du chaos, de la des ténèbres. Au moins, ça, on a massacré. Ok, ça bizarrement, ils foutent le camp, ils repartent. Ils doivent quelque part par là qu'on voit des particularistes. Ou là, ils retraversent la mer. Ils retraversent. Ils sont en train de disperser ces andouilles. Juste qu'à espérer que le particularisme ne tombe pas dessus. Parce que là, ce serait un peu chiant. Malaka, tu veux pas tirer cette guerre? Elle est dans Malaka, non, je viens. Il casse les pieds pour rien, Malaka, en plus. Je vous jure, des fois, l'IA...
Pareil, toutes mes 300 ans à prendre une pauvre forteresse de merde là. Pas con toi, on construit pas des canons ici. Parce que là c'est une armée qui a pas de canon. Hein. L'armée ici pourrait grouiller, voilà c'est bon, j'ai pris la province. Et on se barre, on met un leader. Boris, voilà, et on se tire. Toi les 3000 hommes, je vais te massacrer. Ça fera toujours 3000 de moins. Oui, je prends les taxes de guerre. Là, on va se faire défoncer le cul. Non, c'est bon, on se casse. On va pas rester là, c'est tout. On est pas idiot. On se barre. Tout qu'il y a le steak de la mort, là. La Podolia, là. Les Adjamis séparatistes, et ils commencent doucement à me saouler. Une fois que je me gère ces glandules là juste après. Japon se prépare à envahir le Portugal. C'est Japon qui attaque le Portugal, d'accord. Bon, c'est intéressant. Tes Européens qui sont fumés. Bisous occupé, c'est bien. Un petit changement. Bon, j'ai passé 4000 hommes, je sais pas où ils étaient, mais bon, c'est toujours ça le moins. Particularis, il vient me faire suer, mais cassez-vous les particulos! Ouais, c'est une insulte, le particularis, c'est le particulo maintenant. Ok, le roi. Ok, l'Ottoman il va venir s'empaler. Avec le meilleur, avec le bonus de morale. Et voilà, 120, 112 disciplines. Voilà, on n'est pas non plus complètement désarmé. Alors, on va voir nos coffres. On va demander un peu de pognon si on peut. On a gagné Sinope, parfait! Massacre la capitale, vite. On marche en absence et tout. Hein. La Russie qui refuse. Enfin, l'autre qui refuse de filer un peu de pognon à son ami. Connard. On a pris 33%. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? On pourrait demander que tu. Restitue les provinces à l'Arménie déjà. Ça pour l'Arménie. Moi, bah c'est simple, j'ai les corps, hein, simplement. La Grèce. Il sera pour l'Arménia. Voilà. On n'a pas eu le contrôle du marché de la fourrure. Merde. On a la Russie quand même. Le marché de la fourrure, ça va pour nous, ça. Tout ça, c'est fini. Voilà, c'est bien.
Faut que je pille les territoires du Turc. Faut que je rase sa capitale. Si je prends sa capitale, il va avoir très très mal. Il a les 3 pauvres cas. J'ai pas vu si j'ai Belgrade à côté particulariste. On a gagné Ankara, mais bon, c'est pas grave, ça serait près de la capitale. On va pas se disperser. On a pris Kastamonu. Voilà. Tu veux pas juste capituler là? Malaka, il est à moins 18. Fier négociateur, il casse les pieds lui. Je suis à 0 de la suite de guerre. Le pognon, on lui prendre 2800. Oh la vache! On va pas être non plus trop taxer les colonies, faudrait pas être stupide non plus. Elle fait toi, c'est Ankara là? On va l'attaquer, c'est tout. Non mais il y a Malaka qui est là, qui est jusqu'à Vibor. Mais Malaka, sérieux, tu fous quoi là-haut, Malaka? Oh bah tiens, regardez ça, il y a mes alliés qui ont viré les rebelles. On va aller à Yenia là, puis après à Corfou. Très le courant est fini, c'est bien. Faut que je récupère un max de pognon en plus contre eux. On va pas aller là-bas parce que pas me taper non plus. Taper un glandu ça va. Taper 50 c'est un peu plus chaud. On a perdu Haleb. On a beaucoup trop de navires je trouve. Trop de navires ottomans. Je vais passer des zones un peu trop sombres, ça me plaît pas trop. K ici. Il traverse la frontière, il traverse les étroits, l'enfoiré. Perce-moi ça vite. Mais il s'en va par là apparemment, vu la. Mais Malaka, mais sérieusement Malaka. Par contre, mes alliés, est-ce que vous pouvez, Vassou, vous pouvez est-ce que vous détruire les forteresses qui sont là? Ne soyez pas cons, s'il vous plaît, c'est un peu ridicule là, les gars. Finissez-moi ces sièges et qu'on n'en parle plus, on termine la guerre et donc on se casse. 46K. Ils vont où là? Ils vont à Kirchessir. C'est bon, on a pris Ankara? Vu qu'on a pris Ankara, on se décale, on se tire. Loin possible. Voilà, 28%. Faut qu'on finisse ce siège là et celui-là le plus possible. Et après, on se barre. On fait la paix. On a pris un boulot au sud. On a pris la Morée. On force, on force.
14%. Pourquoi tu veux pas me prendre tout ça, glandu? Pas là, hop. Ça peut pas pour rembourser un peu de pognon là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant tout de suite dire sur expansion, on va gérer tout ça. Et vous qui revenez là, vous revenez plutôt ici. C'est quoi, c'est particulier tout au moins, ok. Vous par là. Voilà, par ici. Et on va vraiment dire un petit coup de hop, on va baisser un peu nos forts. Son 13, parfait. Et au passage, toi t'es gentil, mais on a plus besoin de tes services. Donc au passage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à 2-3 petits pays qu'on va vouloir les annexer. En 98. Et plus tard, on lancera également l'annexion du gros, enfin du petit machin ici, là. On va baisser un petit peu tout cela avec ça. J'ai fait baisser la corruption parce que trop de territoire, c'est vrai, mais il y a également le coût de moins de déséquilibre entre nos armées. Enfin, entre nos armées, je veux dire, entre nos technologies. Ah, par contre, tout ce qu'il y a là-haut, ça, je vais pas trop m'en occuper pour le moment, ça, les colonies. On laissera Okuma McClintor le soin de s'en charger. Là, il rate. Mamani et Pégou. Un peu beaucoup, je trouve. Je veux dire prendre Datong, voilà, prendre Datong contre le Rat, bah ce sera simple, ce sera massacrer ses armées parce que ce glandu va pouvoir se dire je défends cette victime. Mais il y a juste deux, il y a juste deux trucs à prendre, il y a ça et il y a ça. Puis juste après, on se fera à nouveau ben, la Lituanie et la Pologne. Allez, Scotland et Pologne. Bon, bah ben, voilà. Allez, Hongrie, Lituanie et Bavaria. Ah, Hongrie, Lituanie et Bavière. Bon, c'est pour la Bavière. La Hongrie a de quoi se gaver. L'Écosse ici. Putain. C'est quoi la gueule cette Écosse, là, de merde? On va pas se mettre les affaires du clergé. Par contre, on va faire un petit coup, ça va être un petit coup de... C'est parti de Hadjam, on va leur dire. Vous calmez. Où est-ce qu'ils peuvent s'opérer ces glands? Semnan, c'est où Semnan? C'est ici. Au pire, on envoie une armée ici, hein. Pour se protéger. Et par contre, on peut toujours dire aux rebelles, au revoir.
Où est-ce qu'on avait des vassaux? Bah ici, il y avait une province d'Astrakhan qui était également une province. Pas besoin de Corée. J'ai coupé l'automne, c'est-à-dire qu'ici il veut plus en plus progresser parce que bah faut qu'il fasse des débarquements. Il faudrait que je m'en parle de la Grèce et puis les provinces soient ici de manière à pouvoir l'isoler. En tout cas, j'aime le fric du Turc. Il faut juste que je bouffe sa forteresse et puis sa capitale. Par contre, c'est quand même fort niveau 6, hein. Ça pique un peu. Niveau 4. Je vais aller à Chuy d'abord, puis Almaty, je vais essayer de monter tranquillement. Il faudra bouffer ça aussi. Baisser les taxes à Edirne. On va ignorer. Pas tout, Edirne c'est grec. Même. Attends, la Grèce a pas des corps, non. Oh, si. Monde injuste. Oh, le monde est méchant avec moi. Heureusement que j'essaie de baisser la corruption en plus, hein. Révolutionnaire hollandais, parfait, très bien. Tant qu'on n'est pas dans l'âge des révolutions, peu grand chose à craindre. Bon là faut absolument que je me tape que je finisse la forteresse et que je défonce Jin. Hein. Et que j'aille à la capitale de Herat. Il y a se prend une guerre avec le Manchou. Bourgassi est allié à qui? Coréa et Ming. Ah oui, merde. Ça craint. La Corée est alliée juste avec la Bourgassi. Hein, ça va être intéressant de taper la Corée pour défoncer la Bourgassi de manière directe. Vous me cassez les burnes à vouloir vendre des trucs chez moi. Ming, le meilleur rival. On a pris la tongue, parfait. C'est parce que comment c'est pour moi. Ah bah on les a fumés, ça y est. On va ramener du renfort pour prendre la capitale. Et leur fort. On va massacrer ce qui est ici. On va essayer de se barrer. On va prendre leur capitale pour faire du score de guerre. On va essayer de maraver le Hérat. Même l'ennemi fait plus d'armée que des cavaliers. Ah si, juste deux cavaliers ici. Bon, on va laisser intervenir nos alliés. J'ai couru ce qu'il y avait en Grèce à Corée. Toujours le gros problème, parfaitement, c'est la corruption.
Comme ça, on va espérer pouvoir un peu augmenter le fric. Les rentrées d'argent. Au moins, que les rentrées soient positives déjà. Parce que les emprunts, j'en ai combien encore à en prendre? 3 emprunts. Merci, Mac. Merci, l'institution qui coûte la pollution. Alors là, par contre, la capitale prise en 42 jours, c'est lamentable. On va venir ici saboter un peu le Hérac, ça va pouvoir lui dire un petit peu, voilà, tu te calmes un peu mon gars. Parce que l'ennemi, il peut essayer de prendre des provinces ici l'ennemi, bon ça rapportera que dans le score de guerre. Alors que moi si je prends ses capitales et ses deux forts, là ça va coûter cher. Bon le Hérac, on va essayer de grignoter un petit peu. Petit à petit, on va lui laisser cette partie à l'aise parce que ça va peut-être l'inciter à continuer ses guerres à la con contre les autres. Il doit que ça s'épuise par ici. Et prochaine cible qu'on pourra, on va essayer de taper la Corée. Alors je prends ici de manière à pouvoir avoir une frontière avec la Corée. Mais je crois que j'ai une frontière avec la Corée, donc du coup, bah... Ouais, ça c'est une guerre contre la Corée pour pouvoir bouffer. Je rappelle, j'ai claim parlant là-dessus. Hein. Et donc la Corée sus contre l'Oirat, moi, je dis pas non. Hein. Bagarre l'action militaire, c'est bien. On va convertir les dernières provinces. Ça par contre 18,5%, c'est tellement pratique cette icône. On a pris Kobdo, parfait. On va pouvoir passer, dévaster un peu plus de provinces de couillon. On est rate. Moins 23 seulement, moins 23. Pour occuper cette province alors à ce con. France, tu es en guerre contre Bengale. Ok. Amuse-toi. On va essayer de baisser un peu la corruption. Le tsar est désormais malveillant. Désolé, des sujets plus 5%. Tu casses les pièces, ça. C'était pas vraiment le truc qu'il fallait prendre, ça. Fallait acquérir, ça, non? Non, certainement pas, monsieur, non. La première forteresse s'en pas fait. Finissez-moi ces guerres là, finissez-moi les sièges qu'on puisse se gaver sur l'Oirat. En plus que le Ming là, regardez ça, là, le Jin, j'ai quasiment tout. J'ai quasiment sur tout. Bon, 45 jours pour prendre ça, il est pas non plus hyper rapide. Voilà. Zantong machin là, bim. Moins 33, c'est tout. Ah ouais, c'est parce que ces forteresses, elles sont... il n'y a pas beaucoup de forteresses, donc du coup, il faut vraiment tout récupérer pour pouvoir se faire des scores de guerre sur lui. Oh, mais complètement chez les Ottomans, à cause des Ottomans, casse-pied. Ouais, je râle beaucoup, et bon, il y a de quoi râler. Au revoir. Plus 1 de production à Kalouga, je prends. Et je pense que c'est ce bel événement qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Que l'épisode vous plaît, moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.